Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité où on prend le temps de regarder tout ce qui s'est passé durant la semaine et puis de regarder avec mon panéliste. Et cette semaine, j'ai mon favori, Jules Simard, éditorialiste au Nouvel Hebdo et journaliste aussi au Nouvel Hebdo. Bonjour Jules. Oui, bonjour, ça va? Ça va bien toi? Oui, on est en forme, il le faut bien. L'hiver s'en vient, il paraîtrait qu'on y échappera pas non plus. Non, même j'ai commencé à avoir de la neige tombée. Oui, puis même, j'étais à mon chalet en fin de semaine dernière, il y avait un pouce au complet, okay, de neige, et qui était durci, OK, et qui nous semblait faisait de très beaux paysages. Ben, elle a resté encore quand on est parti, mais dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu de très bonnes averses et assez sérieuses, merci, qui ont fait en sorte que ça l'a un peu atténué, ouais. le paysage qu'il y avait, mais c'est très beau. Enfin, il reste quand même que c'est... On vit quand même d'un beau pays. Mais moi, je dis toujours, les gens qui n'aiment pas l'hiver, c'est qu'ils n'en profitent pas. Comme on n'a pas le choix, autant en profiter puis s'amuser avec ça. Exactement, et d'être en mesure... On s'habille chaudement et on peut respirer un air quand même encore assez frais. Ouais, c'est vrai. En parlant d'habits, as-tu trouvé ton costume d'Halloween? Pas encore, mais je sais que je dois aller faire un tour samedi soir à la maison en bas de la côte à Saint-Eugène. Hey, je pense qu'il en est à sa troisième ou quatrième saison, ouais. OK, qu'il le fait, à ma connaissance. Oui, on est rendu à sa septième année. Déjà septième. Mais c'est sûr qu'au début, ça a commencé tout de suite. Oui, c'est ça. La première fois où je suis allé faire mon reportage, j'ai fait un reportage là-dessus, c'était sa première année, puis tu vois, pour moi, je dois vieillir aussi, mais je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que ça. Et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. C'est quand même plaisant quand tu dis qu'il s'attend cette année, je pense, à avoir 2000 visiteurs qui viennent. Hey, tu sais, 2000 visiteurs qui viennent dans une soirée, oui, c'est 5 fois la population de Saint-Eugène. Ah, c'est... Wow, bravo. Oui, c'est une bonne initiative. Il y a eu, à un moment donné, à Normandin, aussi une famille qui faisait quelque chose. Et, l'ampleur que ça avait pris, à un moment donné, ça demandait non seulement beaucoup d'investissement de la part des gens, mais aussi beaucoup de temps à préparer. Et bon, il y a eu comme une forme d'essoufflement, là, si je peux. Non, mais tu sais, c'est mettre beaucoup de temps. Il faut aimer ça. On va saluer et lui dire bravo pour Cette bonne chance. Oui, et je trouve ça m'impressionne tout le temps, moi, de voir comment est-ce que ce genre d'événement-là ou de création, parce que c'est vraiment un acte de création, essaie d'attirer un public, et j'irais même jusqu'à dire la population, parce que c'est pas juste un public de fans de films d'horreur. Ben non. Tout le monde a le goût d'avoir. C'est comme, j'écoutais dans un reportage cette semaine, le propriétaire de la maison en bas de la côte qui disait, bon, ouais, tu fais attention quand tu t'emmènes des enfants quand même. Ouais, c'est ça. Il y a quand même... Faut pas traumatiser par ça. Moi, je vais avoir encore cette année mon célèbre costume de Godzilla, comme depuis 10 ans quasiment, parce que c'est le seul qui me fait. Puis les enfants trouvent ça drôle. Bon, ben on se lance. Et le CIUS, rien de réglé. Le ministre Barrette dit non, il y a deux joueurs représentants, on suit la loi, etc. Bon. Et puis, ça a discuté. Finalement, il ne passe pas grand-chose. La MRC a décidé de créer un comité consultatif. À quoi va servir ce comité-là? Lui, là, je pense que c'est au départ, dans le cadre de la loi 10, il y avait de prévu des comités consultatifs pour pouvoir mettre en place le CIUS. Ouais. OK? Or, se servant de cet élément-là au niveau de la loi, la ville de Beaumont-Sassigny et la MRC ont dit, bon, ben, écoutez, on va s'en créer un, nous, un comité consultatif, et on va demander qui va agir comme chien de garde, entre guillemets, de ce qui se passe dans notre milieu. C'est donc des gens du milieu qui le constituent. Et on va s'organiser pour avoir une forme d'interlocution avec les représentants du CIUS. Le CIUS n'a pas ni à reconnaître, ni à ne pas répondre, et il n'a pas d'obligation aucune.
Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette nomination-là? Ça peut aider aussi dans le sens où si le comité consultatif note quelque chose qui ne font pas leur affaire, ils vont pouvoir aussi crier au loup, là. Oui, c'est ça. Je veux dire, je pense qu'ils vont avoir besoin, effectivement, de l'opinion publique pour pouvoir être en mesure de se faire entendre, OK? Et d'être à l'écoute de tout ce qui peut se passer. Maintenant, il faut faire attention aussi, il existe au sein de la structure officielle, ce que l'on appelle le comité des usagers, un comité des plaintes hein, pour les usagers, et un comité d'usagers. Et là-dessus, il y a des représentations qui sont faites par des gens d'ici à la table du CIUSSS. Okay. OK. Mais tu n'es pas au pouvoir décisionnel. Non, non, non. C'est plus un pouvoir de dire, bon, ben écoute, là, nous, on a entendu parler que ça prend 3 heures à avoir une piqûre, après une prise de sang à Chicoutimi, alors qu'on aurait pu afficher. Ce genre d'événements-là sont des événements qui peuvent être discutés à ces endroits-là et de voir, au moins d'obtenir la réponse du pourquoi, du comment, de ce qui s'est passé et de voir qu'est-ce qui ne peut pas s'améliorer, justement, sur ces choses-là. Mais tout, c'est parce que tout ce dossier-là, ça relève aussi du maintien des services de proximité dans le milieu. C'est là le danger, c'est de ça qu'on a peur, là. C'est de perdre nos salles d'opération, notre urgence. Ben, c'est ça, regarde, je vais te donner un autre exemple, là, puis je ne l'ai pas encore traité, moi, dans ma gazette, comme on dit, là, mais je te donne un exemple. Actuellement, personnellement, OK, on m'a demandé d'aller passer une échographie, non pas parce que je suis enceinte, mais parce que au niveau de des intestins. Bon, oui, là, on a envoyé le papier pour embarquer dans la machine. On a reçu dernièrement, chez moi, mon épouse a reçu un téléphone de la part du CIUSSS, pas du CIUSSS d'ici, de l'hôpital, qui dit, écoutez, M. Simard doit passer un examen. Il y a actuellement entre 4 et 6 mois d'attente avant qu'il passe son examen. Alors, elle me dit, s'il veut qu'il soit passé plus rapidement ou de façon plus urgente, il pourrait y avoir une place où il pourrait se faire passer, c'est-à-dire à Alma. Alors, quand ça, là, moi, c'est ce que j'ai toujours dit et sur lequel il fallait être à l'affût, c'est ce genre de choses-là, parce que la meilleure façon qu'on a de perdre ces services de proximité-là, c'est de s'organiser que tu aies un engorgement avec les services et avec la quantité de personnel pour le donner. Alors, cet engorgement-là fait en sorte que, bon, ben écoute, tu es obligé d'attendre 6 mois avant ton examen. Bon, ben écoute, garde à Alma, là, hein? Ils sont moins chargés que nous autres. Puis ils ont de la place, ça te fait passer plus rapidement. Donc, ça veut dire quoi, ça, à la longue? Ça veut dire que peu importe que j'aie la possibilité de mon service, c'est sûr que si j'ai une urgence pour passer le test, tu sais, on va m'en aller à l'urgence fort probablement, puis ils vont me le faire passer plus rapidement. Oui. Mais dans la liste d'attente, bon, il y a une liste d'attente de 6 mois. Bien, s'il y a une liste d'attente de 6 mois, là, OK, et c'est sur tel type d'examen, là, ça veut donc dire qu'il y a un besoin, Géribois. Oui. Et puis ce besoin-là, il est pour les gens d'ici, et nous avons la possibilité d'avoir ici un équipement et du personnel pour nous le faire passer. S'il n'y en a pas assez d'équipement, si j'avais été dans un service de proximité et que je voudrais le maintenir, je dirais quoi? Bon, peut-être ça en prendrait un deuxième, hein? En tout cas, si on n'arrête pas un deuxième, c'est sûr que tu viens d'augmenter tes coûts. Mais ce que tu viens de faire en sorte, c'est que ta liste d'attente n'est plus comme elle était et puis ben que non, tu réussis à donner satisfaction à tout le monde. Peut-être qu'à Alma, ils auront plus de je dis Alma, mais ils auraient pu me suggérer Chicoutimi, hein? Ils auraient pu me suggérer. Robert Val, qui doivent donner fort probablement les mêmes examens. Je voulais amener ça, non pas comme étant un cas personnel, mais véritablement comme étant pourquoi est-ce que c'est qu'il va falloir être vigilant sur cette question des services de proximité. On les avait, et si on les utilise correctement et adéquatement, on va fort probablement les conserver.
Mais le jour où est-ce qu'on commence à dire, bon, ben écoute, oui, on l'a le service, là, mais tu sais, veut dire, on n'est pas capable de te le donner tout de suite, OK, tu vas ailleurs. En plus, c'est qui me demande ça? C'est le personnel d'ici, du C3S qui reçoit, lui, l'autorisation. Pas l'autorisation, mais la directive du ministère à l'autre bout. Pas du ministère, pardon, de la. J'allais dire de la régie, mais c'est du CIUS qui dit, bon, mais écoute, nous, ça serait bien plaisant. Là, si tu étais capable de nous enlever cette liste. Bien, tu sais, c'est Chomsky qui disait, la manière la plus facile de fermer quelque chose, c'est que tu le sous-finances, puis là, les gens commencent à chialer, puis tu dis, ben ça marche pas. Exact. Donc, il faudrait que tu t'en ailles ailleurs. Exactement. Tu vas l'avoir. Ou tu vas l'avoir par le privé. Tu sais, c'est comme quand on entend là, actuellement. Sur une publicité là, sur une clinique de Québec là, pour les mammographies. Ah. Hey, voulez-vous passer ça à l'ancien jour? Et c'est là. J'ai déjà fait un papier. Moi, je te dis pas que c'est la situation actuellement, là, mais j'ai déjà fait un papier que tu as 2 ans d'attente pour les mammographies. Mais je sais qu'il y avait eu un problème, un paquet de problèmes là, qui avaient expliqué ça. Là, ils ont repris effectivement beaucoup de temps là-dessus. Mais il reste quand même que là, la clinique t'a dit, écoute, viens t'en chez nous à Québec, on va te la passer, ta mammographie, ça va te prendre 5 jours. Dans 5 jours, on te le fait, puis on te donne les résultats 24 heures après. C'est ça. Le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui peuvent se le payer. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. C'est ça. Puis deux, ça justifie la perte du service. C'est ça. Écoute, ça nous coûte quoi, 50-quelques% du budget provincial qui s'en va à la santé, déjà. Puis là, 1% pour l'environnement. Ben oui, c'est ça. Mais regarde, l'éducation, on n'est plus haut non plus. Tu sais, t'as 55% de tout l'argent public au Québec qui est dépensé pour le service de la santé. C'est quoi? C'est pour assurer un service le plus près possible, je suppose, du patient. Puis là, bien, veut dire, à cause qu'on est dans des mesures de restriction puis dans des mesures de restructuration. Je le sais qu'on veut en enlever les... Mais je vais dire, comme quelqu'un disait qui était dans le domaine public, de l'administration, là, du personnel relié à de l'administration, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être très, très, très productif, ça, puis très rentable. Mais malheureusement, tu en as besoin. Mais ça en prend. T'en en prend, c'est que tu veux, je te dis, j'ai bien beau gueuler contre les cadres, moi, dans la boîte chez nous. Mais ça en prend un cadre qui te dit, bon, mais écoute, non, la direction qu'on prend, c'est celle-là. Faut que tu fasses plus de web que tu en faisais avant. Bon, mais c'est correct, on va en faire plus. C'est la directive qu'on me donne. Mais je veux dire, j'ai bien beau Isaïe, mais il reste quand même que c'est la façon de le faire. Super, super. Bien, parlons-en. En étant là-dedans, on parlait de la fonction publique qui est en grève. Ouais, parce que, oui, on a assuré les services essentiels dans les hôpitaux. Grève dans l'enseignement, les gouvernements, les palais de justice, toute la fonction publique, en fait, qui ont commencé leur grève rotative. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je suis biaisé. Je suis enseignant, travaillé, je suis à quelque part un peu, peut-être un peu plus à gauche. Je suis pas à quelque part, je suis plus à gauche qu'à droite. Fait que j'aime ça, avoir un état-providence. Moi, je trouve ça sain et humainement. Mais on entend beaucoup de choses, tu sais, un peu partout. Oh, les enseignants prennent les étudiants en otage, je sais pas. Oui, ça, c'est des discours qui existent depuis que le droit de verrière a été octroyé à la fonction publique au Québec dans les années 60. Vous prenez la population en otage, c'est sûr. On ne peut pas faire autrement. C'est ça l'idée, en fait. C'est en fait, c'est exactement pourquoi est-ce que c'est que... On est encore dans un régime... Au Québec, on est dans un régime où les relations de travail se font sous la forme de combats et pas nécessairement de négociations. C'est triste, en fait. C'est dur. Tant et aussi longtemps, je ne sais pas si... Je vous lance une idée de même. Mais même en politique, on se confronte tout le temps. La même affaire. On vit dans un système où est-ce qu'il faut se battre. Et donc, quand tu te bats, tu mets de l'avant des moyens puis des actions qui font mal à du monde puis que tu as à le faire. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un espèce de système, peut-être que là, ça va m'amener un administrateur de plus, là, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un système où il y aurait, non pas la négociation d'une convention collective qui dure 3 ans, mais qu'on n'aurait pas un système permanent de négociation à l'intérieur des institutions ou encore même aussi au niveau de l'entreprise privée, OK? Où il n'y aurait pas un système permanent de négo? Où est-ce que des problématiques
sont discutés et on trouve une solution immédiatement. Parce que si tu ne la trouves pas immédiatement, tu ne fonctionnes plus. Non, mais ça ne fonctionne pas. Parce que peut-être que ça serait une façon d'éviter de sortir dehors puis de faire une grève puis de mettre en péril. Parce que quand tu fais une grève, que tu sois dans l'entreprise privée ou que tu sois dans l'entreprise publique, tu mets en danger la vie et la survie de l'institution. Autant, autant toi, ton travail que tu fais dans cette entreprise-là, bien, je veux dire, tu sais, demain matin, écoute, tu n'as pas été capable de livrer à ta clientèle, mais là, ta clientèle décide de s'en aller ailleurs parce que toi, tu es en grève puis que tu n'étais pas capable. Tu viens de faire quoi? Ouais. Tu viens de faire ça, tu n'auras plus de commandes des autres. Si tu n'as plus de commandes des autres, tu n'as plus de job. Mais c'est tellement stupide parce qu'on est tout le temps en confrontation, comme s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui gagne. C'est comme s'il fallait qu'il y ait un gagnant. Oui, oui. Puis j'aimerais ça, moi, entendre à un moment donné, que ce soit autant un patron qu'un dirigeant syndical, qu'un politicien de peu importe le parti, dire « Hey, c'est le fun ton idée. » Ça a du bon sens, on va l'appliquer. C'est ça, puis voilà comment est-ce qu'on va l'appliquer ensemble. Ben oui, travailler, se parler, tu sais, en couple, là. Exact, pour ça, je te parle, il y a peut-être un je ne sais pas, là, je n'ai pas d'idée de l'articulation exacte de ce que l'idée pourrait amener, mais si on mettait de l'avant, effectivement, un système de relations de travail basées sur une des ententes, des discussions, puis des rencontres continuelles, ben, peut-être qu'on n'aurait plus besoin de conventions collectives signées ben, aux 3 ans, parce que, bon, il y a le temps d'accorder peut-être des augmentations de salaire. Bon, mais ben, écoute, là, regarde, là, cette année, là, ça a bien été cette année. Je te le dis, là, ça a bien été. On fait un profit raisonnable, puis mes actionnaires sont capables d'en avoir. Puis on est même capable de vous en redonner, parce que vous avez naturellement contribué à faire ça. Bon, ben voilà, je pourrais... L'année d'après, écoute, on a une plaque cette année, on a eu 2 contre eux, on vient de parler. Là, bien là, écoute, je te demande pas de nécessairement de réduire, mais on peut tous s'organiser que cette année, on passe free pour se faire une augmentation. On n'aurait pas de cadeau de Noël. Mais ça, c'est la vie quotidienne. Toi. On le vit nous-mêmes dans nos propres ménages. Mais non, mais c'est ça. Le consensus, il faut se parler, il faut attendre d'arriver, puis de reconnaître aussi que l'autre a des forces et des faiblesses. Mais là, dans cette optique d'opposition-là systématique, bon, on est tout le temps chicane. Puis là, ben, ça vient à la limite du mensonge. Là. Hier, j'entendais aux nouvelles le ministre Coiteux qui dit « Ah, ça avance au table de négociation. » Dans le reportage d'après, le chef syndical qui dit « Ça avance pas au table de négociation. » Qui dit vrai? Mais ça. Là, à un moment donné, tu ne sais plus où te placer. Fait que là, tu y vas selon… Et surtout dans la fonction publique, le droit de grève fait en sorte que on dirait que le processus de négo s'arrête à un moment donné. OK? Quand tu commences à sortir un peu puis à faire mal, là, OK? On dirait que ça s'arrête. Et pour pouvoir le régler, on nous met une loi spéciale pour que tu rentres au travail. Et regarde dans toute l'histoire, et puis hier soir, je parlais justement un reportage un peu là-dessus, dans toute l'histoire des relations de travail avec la fonction publique au Québec, depuis qu'on a le droit de grève dans les années 60, tu n'as pas eu grand convention collective qui se sont signées. Ils ont été imposés. Et là, tu t'embarques dans un processus où pendant un an de temps, ça sort pas, on s'affronte pas. Ben, comme on voit que les concessionnaires automobiles, c'est devenu d'un ridicule. C'est ça. Donc, là, tu fais en sorte que tu ne réussis pas à la régler. Puis pour le régler, ben, tu gardes, on va en imposer une. On passe une loi, là, on a dit niaiser. C'est ça. Ben là, c'est un peu. C'est là. Mais ce que je trouve, c'est qu'en plus, on parle pas des vraies affaires. Là. On parle. Tu sais, je veux dire, on a besoin. Les valeurs qui sont la santé, l'éducation. Tu sais, c'est tellement important, en fait, la justice. En tout cas, je pourrais t'en nommer plein. Parce que, tu sais, moi, en fait, c'est aussi dans l'idée de rigueur budgétaire où il faut couper partout. Quand tu pourrais équilibrer un budget, en tout cas, chez nous, il y a 2 manières. Tu coupes ou tu augmentes tes revenus. C'est ça. Mais c'est rare, mais. On n'entend jamais le gouvernement nous dire comment il pourrait augmenter ses revenus quand des manières d'augmenter les revenus, il y en a en masse, autre que de taxer les cigarettes et l'alcool. Oui. OK, OK. Hey, à Saint-Félicien, on est tiré 1 million au centre-ville de Saint-Félicien. As-tu vu ça?
T'as pas vu passer ça? Non, pas vu passer ça. Un million, on va. Des investisseurs locaux qui ont réussi à. Qui ont annoncé ça hier avec M. Gilles Poitvin. Oui, je sais de quoi tu. T'as vu qu'il va avoir la nouvelle Schwab, les emplois. Exactement, oui, justement. Mon confrère Serge a reçu le mandat de travailler cette chose-là. Effectivement, là, on a décidé de regrouper et de remettre une certaine vie aux entreprises. Ben, ça me fait un peu penser à ce qui va se passer ici. Oui, mais c'est ça. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on... C'est un projet ici. En tout cas, on n'a jamais voulu nous donner le montant, là, mais moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça serait de là entre 5 et 7 millions de dollars qui va s'investir en plein centre-ville. C'est vrai qu'on est obligé de changer la réglementation du journal. Maintenant... Là, tu sais, il s'agit de ça. Fort probablement que si on l'a accordé, ces changements aux zonaires, c'est pour favoriser un projet qui a un certain esthétisme dans la municipalité. Là. Je pense, entre autres, qu'il y avait la question des hauteurs de bâtiments, là, parce qu'on parle de 5 étages là, dans celui-là, ici, au centre-ville. C'est bien, c'est nécessaire qu'on ait... Tu sais, regarde, je regardais aussi... au Manoir 5 saisons, là, ce qu'on est en train d'être un autre gros investissement, ça aussi, qui se réalise là. Et je me souviens d'avoir interviewé M. Lamotte qui disait, bah, tu sais, je pense qu'il faut croire à notre milieu quand on décide d'investir comme ça. Et ça, c'est des projets comme ça qui sont de nature de dire, on a confiance en l'avenir et au développement de notre milieu. Quand on Puis moi, je vois de plus en plus de gens qui nous parlent d'achat local, quand ça fait longtemps qu'on en parle, là, mais de voir qu'en achetant ici, peut-être que tu payes un peu plus cher, peut-être que... Mais écoute, si tu veux en avoir des bas prix, puis si tu veux en avoir du choix, ben il faut qu'économiquement, ça roule. Et tous les entrepreneurs, puis les petites PME d'ici, eux qu'il faut encourager le plus. Bien, c'est avec eux autres. C'est eux autres qui permettent de faire en sorte que tu puisses avoir... des salaires et donc être capable de consommer par la suite. C'est sûr et certain. Bon, on dit, tu es en augmentation puis tout le cas de ça. Il n'y a pas toujours eu des preuves de fait. Ça coûte un petit peu plus cher parce que c'est local ou. Tu sais, il n'y a pas tout. Je te dis pas que c'est pas vrai, là. C'est, mais que. Mais ça va être un peu plus cher que si tu vas dans une grande surface où l'argent s'en va tout aux États-Unis. C'est ça que je veux dire. Parce que je regardais là, statistiquement, je pense que si chacun investissait 100 $ en achat local de plus dans son année, je sais plus, je pense que ça faisait. Je veux pas dire de chiffres, non, là, c'est pas vrai, mais ça faisait un montant qui avait. C'est de l'argent qui roule dans le coin. C'est ça. Je repense à ce qui se passe en Gaspésie avec le demi, là. Je sais pas si tu as vu ça, le 20 $ qui coupe en deux. Puis l'idée, c'est juste ça. C'est de faire rouler l'argent entre les gens puis dans l'achat local, parce que c'est ça aussi. Il y a une formule. Girardville, hein, la semaine dernière, lançait la carte boomerang, okay, qui est un concept d'ici, ça, hein, c'est un concept de la région, où tu vas aller acheter chez tel commerce et il va te remettre des points, je sais pas moi, un 10 % de réduction, disons, sur ce que tu as acheté. Parce que tu as présenté ta carte boomerang. Okay. Et bon, oui, il a effectivement. Et ça, c'est convertissable en argent comptant quand tu vas aller acheter, soit dans le même commerce, ou encore dans un commerce qui est aussi membre de la carte. Oui, c'est ça. Et à Girardville, si j'ai bien compris, parce que je n'ai malheureusement pas été faire un tour au 5 à 7 là, où ils ont fait le lancement, mais quasiment la totalité des commerces à Girardville ont adhéré à ce système-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable, à Girardville, fort probablement, oui, d'aller faire ton épicerie, de t'accumuler des bons, et tu as besoin, je ne sais pas, mais de lin ou de quincaillerie, d'éléments de quincaillerie, tu t'en vas à quincaillerie et tu peux utiliser des voilà, des bons que tu as, qui sont reconnus par les commerçants. C'est génial. Achat local. Oui, bien, c'est important. Bien, c'est tellement le secret, en fait. Là. Arrêtons de donner notre argent à des gens qui n'ont rien à investir ici, puis donnons-le aux gens qui... Il y a aussi le concept que la Chambre de commerce, hein, avec son site transactionnel, veut faire. Ça, on parle de ça pour la mise en application pour les fêtes. C'est un bon timing. J'ai rencontré hier soir le président de la Chambre de commerce qui me dit qu'actuellement,
Et ça, ça m'a été fait confirmer par la présidente de la Chambre de commerce aussi, de la Normandie, où là, il va y avoir non pas une fusion, mais une union de l'ensemble de tous les commerçants membres de ces chambres de commerce, okay, afin d'adhérer au principe de ce site transactionnel-là. Alors ça, ça veut donc dire que oui, et je vais prendre l'image du président de la Chambre de commerce, M. Saint-Pierre, qui disait, Dominique Saint-Pierre, qui disait, c'est un gros Walmart avec le thé qu'on veut faire ici. Ben, dans un sens, l'image n'est pas méchante. T'sais, sauf si... que ça, ça fait profiter les gens d'ici. Ben, c'était ça. Tu vas dire, tu vas l'acheter ton bien via l'Internet à partir de chez vous, mais tu vas l'acheter chez nous. Bravo, bravo, bravo. Hey, émission commerciale en Suède. Es-tu déjà allé en Suède? Malheureusement, non. Ouais. Oui, heureusement, oui. Là, ils s'en vont à Malmö, je ne sais pas si tu as vu ça, et Nutri-Nord, la coopérative Fernand Boileau, ouais, ils partent une semaine en Suède. C'est intéressant parce qu'on entend souvent là, l'émission commerciale en Chine, ou tout un peu même ça, mais là, vraiment un pays nordique, donc un climat similaire, c'est ça, oui. Des marchés similaires, des produits similaires, peut donner des idées. Ben, c'est ce que je pense. Est-ce que tu crois à ça, ces missions commerciales-là, toi? Moi, je pense que oui, dans la mesure où tu vas faire de l'exploration et ça te ramène. C'est tant mieux si tu réussis à signer des contrats quand t'es là. Ouais. OK? Mais pour voir effectivement, dans un milieu identique, quelles sont la façon dont on articule le commerce local dans ces endroits-là, ouais, et de voir qu'est-ce qui peut aussi s'expatrier ici. Et ça permet, compte tenu du fait que nous sommes, nous aussi, en pays nordique et qu'on a des produits qui sont propres à nous, ouais, ben peut-être d'aller dire, ben oui, regarde, nous, là, on a ça aussi. Oui, ça produit peut donner des idées. Exactement. Et c'est là que les transactions ou le commerce vers l'extérieur peut aussi s'effectuer. Alors, c'est pour ça. Moi, je pense que oui, c'est une bonne initiative. Faut c'est le voir pas à juste, long terme. Faut c'est le pas, voir à ouais, terme. Ah oui, tu peux pas avoir juste demain matin. Non, mais c'est parce que des fois, c'est un principe cherche qui est dur à vendre à des patrons. Hein, on va aller faire de l'exploration. Ah, mais là, moi, j'ai pas le goût de payer tant pour pas savoir si on va avoir un retour. Mais des fois, c'est à long terme que ça va. Exact. Le retour peut venir, tu sais pas quand. Mm-hmm. Tu sais pas quand. Et ça permet de faire en sorte que, autant. Ça nous permet de se faire connaître auprès de décideurs aussi, hein? Un décideur économique, c'est un décideur, auprès de décideurs économiques, de ce qui se fait ici, au même titre que comment est-ce que nous, on peut amener ce que tu fais là-bas, l'amener ici. C'est numéro un. Mais à part ça, là, la Suède, c'est quelque chose de bien. Bien, écoute, je te mentirais pas, au niveau des paysages, là, quand tu te promènes en Suède, tu as l'impression d'être dans le parc des Laurentides, là, ça ressemble beaucoup. Okay. Mais les villes, Stockholm, c'est superbe. Stockholm, c'est bâti sur, je pense que c'est 14 000 îles qui forment le Grand Stockholm. Ouais. C'est sûr qu'il y a des petits îlots de rien, là. C'est superbe, de l'eau partout. Moi, j'ai fait Göteborg aussi, de l'autre côté, Malmö, qui est à un pont du Danemark aussi, là. C'est... culture très intéressante, des gens excessivement sympathiques, très polis, mais plutôt froids dans la rencontre humaine. Moi, je trouvais, mais Stockholm, une des plus belles villes. Je dormais sur un bateau là-bas. Ah, ouais, j'ai rien à dire. Hey, j'ai vu dans ton journal, dans ta gazette, que vous aviez un dossier sur le compostage. Oui, c'est mon ami France qui travaillait là-dessus. Puis au niveau de TC Media, effectivement, ils font l'ensemble de... à l'échelle du Québec. On va-tu y arriver ou à vraiment avoir des dates? Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'au niveau du ministère, on s'était donné un objectif sur le cimetière de 2022 okay, pour pouvoir être en mesure d'appliquer à l'ensemble de tout le Québec, d'empêcher les déchets compostables de se retrouver dans les sites d'enfouissement, mais plutôt de les utiliser à des fins compostables. Et là, je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'il pourrait y avoir un retard, effectivement, dans l'application de ça, mais la volonté d'aller vers cela, la volonté gouvernementale, semble être toujours présente. Ça fait un super d'aller engrais, jusque-là. Hein. Oui, c'est ça. Il y a ça. Il y a par ailleurs beaucoup de sensibilisation, plus de sensibilisation. C'était pour un vieux comme moi, là. Les changements d'habitude.
Non, non, mais dire, ça, là, je pense qu'on a un gros travail. Bien, recyclage a été ça. Bien, c'est ça. Regarde, là, on avait un bac, on a deux bacs, là. En tout cas, le vert et le... Bleu. Le bleu, puis là, ben, c'est un brun, ça. Ouais. C'est-tu un brun, ouais, ben, le compostant? Oui, les bacs bruns. Qui s'en vient. Ça prend de la place, ah, c'est là où... Ah, oui, il y a cet élément-là, mais il y a effectivement des habitudes. Il restera toujours que quand tu jettes tes déchets et puis que la personne qui les ramasse, elle trouve une deuxième vie et ouais, fait de l'argent avec. Alors là, on est rendu que, bon, ouais, nous, on les donne, hein, nos déchets. Là, ouais. Tu veux pas commencer à vendre ton recyclage, ben là, ben, pourquoi pas? Ben, là, actuellement, c'est la collectivité qui le ramasse, c'est correct. J'ai rien contre ça, là. OK, c'est la RMR, entre autres. Bon, ben oui, nous avons ça, on le vend. C'est correct, là. Je veux dire, au moins, l'argent reste collectivement. Et ça me coûte peut-être moins cher d'envoyer mes déchets à la dompe. Hein, parce que faut penser aussi à l'avenir, pas à la planète. C'est ça. Mais il reste que... sur cette question-là, sa question du compostage particulièrement, ben, on se devra d'avoir des habitudes. Là. Oui, il faut changer, puis ça va être long. Ça des sera habitudes. Pas, hein, souvent, ça, c'est une génération. C'est ça, avant que tu réussisses à... Puis tu vois, moi, ça m'intéressait pas tellement, puis j'ai eu une coloc qui le faisait, puis elle me disait pas « fais-le », elle le faisait, puis en la voyant faire, j'ai fait « ouais, c'est simple ». Ouais, 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 oui, oui, c'est bien. C'est de changer des habitudes. C'est juste changer des habitudes, c'est ça. C'est... OK, hey, mes deux derniers sujets, j'ai les mains ensemble. Parce que là, à l'usine de Dolbeau-Missassini, Résolu a fait là, si on n'a pas de contrat, c'est difficile, Greenpeace, la peur, etc. Là, ça va peut-être fermer. Puis de l'autre côté, on annonce un agrandissement de l'aire de protection du caribou forestier. Est-ce qu'il y a un lien? Peut-être. Peut-être. Faut-il avoir peur encore pour notre usine de Dolbeau-Missassini? Ça, oui, je pense que oui. Mais c'est pas juste relié à la question du caribou. Non, forestier. Non, non, non. C'est que, regarde, on a des habitudes où est-ce qu'on... Avance, on jette le papier. Là, on ne jette plus. Mm. Hein? On le recycle. On en refait l'autre avec la même. Là, j'ai peut-être moins besoin d'aller abattre des arbres, effectivement, parce que on fait. Moins d'impression, moins de magazines, moins de journaux. Oui, il y a ça aussi. Il y a ces habitudes-là qui sont en train de changer. Donc, la demande en papier, et c'est justement le président de Résolu qui disait effectivement que depuis l'an 2000, là, c'est épouvantable, là, je veux dire. La demande en papier a baissé énormément. Mais pourquoi il change pas, je sais pas moi, la vie de l'usine, puis dans des nouveaux produits, des nouveaux procédés. Ils ont la CAF, ils ont le bois, il faudrait juste qu'ils investissent. Ah oui, c'est là le problème. Ouais, mais on va attendre que le gouvernement investisse pour raison. Ben, il fut un temps aussi où Abitibi-Bowater a été sur le bord de la faillite. Là. Il n'y avait pas d'argent, pour investir. Non, je sais bien, mais ça, c'est un mode de gestion aussi qu'on pourrait remettre en question. Exact. Je veux dire, il y a toutes ces questions-là qui sont reliées là-dessus. Et bon, oui, on peut-tu rechanger puis faire autre chose que du papier? Tant que tu as une demande en papier, ça t'intéresse aussi de la faire. Oui, okay? Mais on peut-tu voir à long terme? Pour les communautés, puis pour l'entreprise. Pense que pour les entreprises, ça regarde. Ils la regardent, tu ne peux pas faire autrement. Ben, quand tu vois ouais, mais quand tu vois d'année en année, effectivement, baisser tes choses, là, actuellement, la seule façon de pouvoir réduire tes coûts, parce que bon, c'est correct, on va former 3 semaines, on va former 2 semaines. Ça, là, je pense qu'on va en avoir. Ben oui. Ça, on va en avoir, puis c'est pas juste à cause de. C'est vraiment les habitudes qui sont en train de changer. Puis on avait des usines qui ont des capacités de production qui sont actuellement plus élevées que la demande. La demande est là. Alors, tu ne peux pas faire autrement. Et pourtant, il y a d'autres papetières qui fonctionnent très bien. Comme? Bien, Cascade, Domtar... Ils sont allés dans le recyclé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de faire juste du papier blanc. Puis ils ont vu à long terme. Ben, c'est ça que je te parle. Oui, ils l'ont vu à long terme. Ils ont vu qu'il y avait un marché qui était émergent. Mm. Ils sont allés dedans. L'autre a dit qu'il y avait encore du marché avec mon produit. Donc, avant de dire, bon, OK, j'arrête
Parce que le jour... Mais tu peux faire les deux à la fois. Oui, mais regarde, je vais donner un exemple. Peux-tu l'amener? Oui, je vais te l'amener, cet exemple-là. Moi, je travaillais pour, au départ, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais pour un journal. OK? Donc, à toutes les semaines, j'avais du papier journal qui servait à imprimer mon journal. Mm-hmm. Imprimé tes Est venu idées. Le fait qu'à un moment donné, on a dit, tu sais, les journaux, c'est moins lu que c'était. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'informent à cette heure avec Internet, le téléphone, le iPad. Donc, il faudrait qu'on arrête. Tu sais, il faudrait qu'on mette un contenu qui est accessible pour eux autres. Et ce contenu-là, je ne peux pas le remettre nécessairement dans le papier. Ben non, parce que c'est sinon, je le fais. Là, tout le monde me dit, ah, écoute, ça ne me donne rien, là. Il me l'a envoyé sur mon iPad cette semaine, puis il me l'a remis dans le journal. Je ne le dirai pas deux fois. Le même texte. C'est ça. Hein? Donc là, si tu fais ça, tu fais en sorte que tu dis, écoute, utilise de moins en moins ton journal. Et ton papier, bien, utilise peut-être de plus en plus l'autre moyen qui est l'iPad. Et là, tu vas avoir les mêmes affaires, puis tu n'auras plus besoin de lire le journal. Le fait d'envoyer ce message-là, même si tu ne le dis pas directement, OK, fais en sorte que, oui, ton journal papier, lui, baisse. S'il baisse... Puis que j'ai rendu que j'ai. Moi, nous, il est publié à 13 à 14 000 copies. Le jour où est-ce qu'on va faire des statistiques, on va peut-être se rendre compte que sur les 13 000 copies qui sont vendues, j'en ai, très hypothétiquement, il y en a un qui 7 000 qui sont regardés. Ouais. Même pas lus, regardés. Bien là, tu sais, je veux dire, je commence à avoir moins de Ça crée une problématique. Oui, puis je commence à avoir moins d'arguments pour avoir mon commanditaire aussi. Mm-hmm. Hein? Avant, mon commanditaire, écoute, oui, regarde, tu as 8 000 personnes qui viennent t'avoir à toi et autres sur ton site Internet, puis tu m'offres 5 000 personnes pour venir lire le journal. Hein? Tu sais, c'est ces éléments-là, ça rentre dans le même principe, je pense, moi, que la question de l'utilisation du papier. Qu'il soit le papier journal, ça, c'est d'autres types de papier. Et de plus en plus, tu vas peut-être avoir moins de circulaires. Tu sais? Donc, si tu as moins de circulaires, tu vas peut-être les voir plus sur ton iPad. Tu le vois, c'est déjà commencé. Là, tu vas voir plus sur ton circulaire, iPad. Là, tu passes c'est ta carte, peu importe. Tu vas revenir au même principe. Ben oui, sauf que là, ce que tu viens de faire en sorte. Tu sais, je voudrais juste revenir un peu ce que Danny Boutin a fait dernièrement quand il a fait venir. Il a retardé une commande à Kimberly-Clark, entre autres. Une commande, il l'a retardé. Et là, les gens de Kimberly-Clark, peu importe la grosseur de la commande que tu fais, comment ça se fait que Métro Delbault n'a pas envoyé sa commande? Et là, ils ont réagi, la gang des ventes là, de Kimberly-Clark. Ils ont dit, ce qui se passe, M. Boutin? Ben, il dit, garde, mais non, rasez avec moi, je vais vous raser de quelque chose. Fait qu'ils sont venus. Il dit, moi, là, toi, là, tu viens de faire en sorte que, à cause du fait que la Richelieu a perdu son homme FSC, donc tout ce que tu t'approvisionnais en papier puis tout le kit, il dit, fais en sorte que, puis il y avait des contrats qui étaient avec lui. Tu viens de dire que tu ne prendras plus ton papier ici. C'est qui le fabrique, ton papier? C'est mon client, moi. C'est lui qui vient me voir. Fait que là, il dit, ça veut dire quoi, ça? Il dit, ça veut dire que toi, là, si tu empêches mes clients d'avoir de l'argent pour venir faire leur épicerie, et puis que moi, il dit, il me reste à quoi, là? Je vais pas payer pour que tu fasses ça. C'est en plein ça. Tu sais, il veut dire, je pense qu'il a fait un acte de sensibilisation. Il invitait, d'ailleurs, tous les autres propriétaires de commerce qui font affaire avec des entreprises qui, comme ça, qui viennent de dire « Parce que tu n'es plus dans la norme FSC, nous ne prenons plus de ton produit, alors que tu sais fort bien, il restera toujours que je... » En tout cas, je crois, moi, M. Garneau, quand il dit qu'ils ont perdu la norme FSC, entre autres pour deux raisons, à cause de la question du caribou forestier qui n'est pas de leur ressort à régler, mais qui est du ressort du gouvernement, et
l'autre part, de par le fait que nous n'avons pas toutes nos ententes avec les Autochtones. Encore là, je tiens à vous dire que ce n'est pas moi qui négocie avec les Autochtones. Mais que, tu sais, je le crois quand il me dit ça. Et c'est un, et ce sont deux éléments qui ont perdu. La norme FSC, la vraie norme FSC. Oui, mais ce n'est pas de leur faute, c'est le gouvernement à un moment donné qui devrait aussi... C'est-à-dire qu'il n'a pas réagi ou qu'il retarde à agir ou qu'il retarde à réagir. Et donc, ça fait en sorte que tu n'en as plus de... Donc, c'est aussi partie des éléments qui nous affectent. Bien, merci de nous éclairer de ta lanterne là-dessus. Je voudrais t'amener, on va changer un peu, on va s'en aller à l'Abitibi. Femmes autochtones en Abitibi, là, le problème des Autochtones, c'est, il est criant depuis longtemps. Là, c'est 1200 femmes autochtones disparues ou tuées dans les 10 dernières années, sans enquête ou sans qu'on se pose trop de questions. Et là, ce qui est arrivé, le reportage d'enquête sur les traitements entre la SQ et les femmes autochtones ou les Autochtones en Abitibi, c'était comme une bombe. Là. Le chef de la SQ a beau dire qu'il n'y a pas de drame, mais je le crois pas. Il y a 8 policiers suspendus. Ceux qui font l'objet de l'enquête par rapport à des allégations. On va voir si les allégations deviennent des savants cours, etc. C'est ça. Comment gérer ça, cette question-là? Parce que, tu sais, je veux dire, les policiers, c'est le principe, là, ils nous protègent, on veut leur faire confiance. Au moment où ils perdent cette confiance-là, ça devient compliqué, là. Je le comprends, là, on l'a vu encore, là, il y a un policier qui a été démis de ses fonctions à New York parce qu'il a arrêté un noir de manière hyper brutale. Elle est où la limite? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, là, moi, je suis pas dans la peau de ni l'un ni l'autre, mais sauf que je suis au courant de la réalité autochtone qui est vraiment pas facile, là. Surtout des femmes. Mais je pense que c'est vraiment toute la problématique, elle. Mais oui. OK? Au-delà là, des actes reprochés et au niveau des individus qui sont affectés, il s'agit d'un drame qui se doit tant pour les policiers que pour les... Qu'on fasse vraiment la lumière là-dessus. Ça, je pense que c'est nécessaire. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, au niveau des instances politiques, on a répondu que, wow, il va y avoir enquête sur ces choses-là, sur ces allégations-là. Et les enquêtes vont être menées par un corps policier indépendant. En tout cas, là, c'est un processus d'enquête. Est-ce qu'on se doit d'avoir une enquête publique? Ça, c'est un autre débat, et je pense que oui. Ah, moi, je suis certain. OK? Il peut y avoir une enquête publique aussi qui doit être menée, mais cette enquête publique-là se doit de se tenir sur les comportements de la société québécoise à l'endroit des Autochtones et non pas juste, je te dis pas que c'est pas important ça là, ça fait partie de la problématique, mais la problématique aussi à l'endroit de la violence faite aux femmes. Ça, là, il se doit, je pense, d'y avoir une, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se le fait dire, nous les Québécois, on est peut-être un petit peu raciste des fois chez les bords. Et dans le dossier des Autochtones, on a effectivement des comportements, des propos qui sont souvent de fois racistes, je le dis. Juste la gestion qu'on fait des réserves amérindiennes, nous dire c'est ouais, c'est ça. Maintenant, là, c'est pas juste une question de comportement raciste. C'est aussi une question de structuration qui nous a été amenée par un État qui s'appelle le gouvernement du Canada et qui nous dit, bon, mais écoutez, premièrement, les Amérindiens, là, c'est moi qui s'en occupe. OK, c'est pas vous autres qui nous en occupez. Et le fait qu'on s'en occupe, bien, veut dire, on les parque, puis on fait ci. On leur accorde pas aucun droit en ce qui regarde. On les infantilise, mais ça, on leur demande de c'est ça. Alors, tu comprends, je veux dire, la problématique, elle est structurelle, mais il y a aussi des comportements à caractère raciste sur lesquels on se devra d'intervenir et qu'une enquête publique pourrait être en mesure de nous identifier à tout le moins des balises d'intervention. Ouais. OK? Ça, ça va au moins, le reportage et les femmes qui ont dénoncé ces propos-là vont au moins nous amener, je pense, à une réflexion plus que profonde sur la problématique et du racisme et du traitement
J'espère que ça va ouvrir les yeux à certaines personnes qui sont racistes et puis qui discriminent beaucoup. Là. J'entends des affaires des fois. Là, sur... Ah oui, on en entend tous. Là. OK? Ouais. Et on en prononce peut-être par la bande, nous aussi. Tu sais, même dans les propos que je viens de tenir, là, il y en a peut-être qu'un ou deux qui disent écoute, ben, t'es oui, un peu là, raciste. Ben, on faut régler une affaire à la fois. Les pensionnaires autochtones, on a réglé ça, mais là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Faut pas oublier que c'est les Premières Nations. Là. C'est nous, les immigrants, ici. Là. Les uns. C'est nous, les étrangers. Là. C'est ça. En fait, nous, nos arrière-grands-parents, parce que nous, on est quand même aussi d'ici. Là. Non, mais c'est ça. Oui, oui, oui. Ça fait partie du vrai débat. D'ailleurs, tu as écouté le documentaire L'Empreinte qui est avec Roy Dupuis, qui a été fait cette année, je pense. Tu écouteras ça. Il y a vraiment une belle hypothèse d'amener. OK, OK. Et, une belle problématique avec une belle hypothèse. J'étais pas certain au début, puis j'ai été surpris. D'ailleurs, il y a Serge Bouchard là, qui est là-dedans, puis qui est très, très intéressant. L'Empreinte, vous louerez ça ou vous irez le voir, là, j'imagine, je ne sais pas comment. Oui, il doit certainement être disponible quelque part. Moi, je l'ai pris à la bibliothèque du Cégep de Saint-Félicien. hey, Justin Trudeau, une semaine plus tard. Okay. Là, on se remet dans le temps. Ouais. Moi, j'ai été surpris par... surpris. Je ne pourrais pas dire que je suis rendu un Trudeau maniaque, là, loin de là. On va laisser le temps faire, parce qu'on va se laisser au moins un an avant de pouvoir juger. Ce qui fait, là, d'ailleurs, déjà aujourd'hui, il approuvait le projet NRJS. Fait que là, on est... Tu sais, je veux dire, ça dépend de nos valeurs, là, rendu là. Geste d'ouverture, amené à la conférence de Paris, les représentants du Parti vert, autant de la main aux autres... Bon, il y en a qui disent, ils n'ont pas amené des gens du Bloc québécois, tout. Et moi, ce que je trouve drôle aussi, puis je veux te parler de ça, c'est, moi, là, mettons sur Facebook, il y a des gens qui aimaient le gouvernement Harper, puis il y a des gens qui ne les aimaient pas. Et tous ceux qui chialaient contre le gouvernement Harper, le lendemain des élections, se sont mis à chialer contre le gouvernement Trudeau, il n'y avait encore rien à faire. On peut-tu laisser la chance aux coureurs? T'sais, je dis pas qu'ils vont être parfaits, je dis pas qu'ils vont être bons, mais on peut-tu avoir un peu une pensée positive. Je suis un peu tanné, moi, de chialer contre tout, là. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de problèmes puis que c'est facile de trouver des problèmes. Mais on peut-tu laisser la chance ou pas? Ou il faut jusqu'à maintenant, je pense qu'il s'est comporté en chef d'État ce que l'on s'attend d'un chef d'État canadien. OK? Oui, les gestes d'ouverture manifestés, ça fait partie de la culture. Canadienne, la culture que nous sommes. Pas des 10 dernières années, là. Non, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. L'autre, il l'avait peut-être oublié. Oui. OK? Lui, là. Non, mais c'est ça. Il voulait l'oublier. Oui, il voulait. Mais là, lui, là, il nous ramène à ce que les Canadiens sont. OK? De par les gestes qu'il a jusqu'à maintenant pour poser, y compris les gestes un petit peu plus démocrates, entre guillemets, là, qu'il suggère. De faire pour régler tel et tel problème. On va voir qu'est-ce qu'il va faire aussi, là. C'est la question, parce qu'il est interpellé, là, c'est la question autochtone. Oui. Puis les autochtones qui ont voté en masse. Exactement. Tu as vu ça? Ils ont manqué de bulletins de vote dans beaucoup d'endroits où les autochtones allaient voter parce qu'historiquement, ils n'allaient pas voter. Puis il y a eu des augmentations de 250% du nombre de votes. Là. C'était... Il l'a amené, tout comme les NPD l'amenaient, là, mais il reste que ça a été amené, enfin, là, de mettre de l'avant des pratiques. Il y a peut-être eu le geste d'hier qui était peut-être allé un peu plus... Je comprends les aspirations dans lesquelles sont les chefs autochtones, mais nous sommons le premier ministre du Québec. Nous lui disons que c'est lui le grand responsable. On veut qu'il vienne nous rencontrer dans 24 heures. Je pense que oui, il y a parfois... Ça, il y a vraiment un geste d'exaspération au départ là-dessus, mais il aurait pu y avoir... Nous demandons effectivement au premier ministre du Québec de venir nous rencontrer afin de voir qu'est-ce qui peut se faire. Au lieu de le sommer, là, tu comprends? Mais en même temps, ça, là, c'est parce que ça fait des années. Tu sais, Jules, là, quand tu demandes à quelqu'un, peux-tu me faire ça, s'il te plaît? S'il te plaît? À un moment donné, tu as le goût de faire « Hey, fais-le, là, tu sais. » La seule réponse, OK? Parce que si on est de chef de nation à chef de nation, OK? La seule réponse que là, un instant, là, OK? Ça m'intéresse fort probablement d'avoir un dialogue avec vous autres. Il faut qu'on en ait un. Mais je ne commencerai pas à
à me faire dire, écoute, là, il faut absolument que tu hésites, dans ce sens-là, ça ne marche pas. D'accord. Je pense que j'ai peut-être allé un peu là. Oui, peu, oui, peut-être, loin. Mais parce que là, on parle de Philippe Couillard. Je comprends très bien. Mais il y a l'autre affaire aussi, c'est que peut-être que c'était mal demandé, ça veut pas... Des fois, il faut se monter plus brillant aussi, puis à la place de dire non, de dire, hein, je serai pas là dans 24 heures, mais je vais y aller. Oui, c'est ça. Il faut pas... Le mec a la réponse officielle du PM, au moment où on se parle, là, je ne l'ai pas. Non, là, il a finalement accepté de les rencontrer. Ben, c'est ce que je pensais là, qu'il ferait. Là. OK, tu comprends? Parce que là, on a eu une réponse de son personnel politique. On est habitué à ça, là, nous autres. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que... Excuse-moi, on va revenir à Justin. On va revenir à mais à en fait, on peut se lancer vers l'autre sujet qui est le moratoire pour Post-Canada, parce que là... Ça, c'était dans les promesses, là, de dire on va ramener le courrier à domicile. Mais tu sais, on a vu qu'il y a des boîtes postales installées partout. Est-ce qu'on va vraiment réussir à renverser la vapeur et à ramener le service à domicile? D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Denis Lemieux, député Chicoutimi, qui a dit « Je vais parler à Karine Trudel, députée NPD, pour voir qu'est-ce qu'elle en pense, parce qu'elle a travaillé dans ce secteur-là. » Je trouvais aussi que c'était un beau geste d'ouverture. Ça. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Quand j'ai fait les réactions des élus, moi, à l'élection la semaine dernière, j'ai rencontré le maire de Roberval qui m'a... Je pense que j'en ai parlé d'ailleurs dans l'émission. Il m'avait donné. Oui! Ben, sais-tu quoi? Le geste de Denis Lemieux à Chicoutimi, le geste de Justin Trudeau, de Coulon, parti vert, c'est peut-être le fun, tu m'as nié avec moi. Là. Sais-tu c'est quoi ça? Ben, moi, ça m'apparaît être des gestes d'une nouvelle génération. Mais tant mieux, peut-être, parce qu'on en parlait tantôt de la confrontation. Exact. On est peut-être au prix. Il va peut-être nous amener. Je retiens, en fait, c'est une des réactions que je suis allé chercher qui m'avait vraiment impressionné quand le maire de Roberval m'a dit ça. Il dit, écoute, ça m'a parlé. Il dit qu'on est peut-être... Les gens ont décidé de changer On avait tellement reculé avec le gouvernement précédent, on se rapprochait vachement de la droite extrême. Exact. Puis, Post-Canada, revenant à Post-Canada, penses-tu qu'on n'enlèvera pas les boîtes postales, là, ils sont posés? Oui, c'est ça. Et fort pas. Mais, puis tu sais, je veux dire, le mouvement, on parlait tout à l'heure, il y a moins de papier. C'est une réalité, encore des factures. Tu reçois quoi, là? En même temps, tu sais, je veux dire, est-ce que sur une run, entre guillemets, run est en français, est-ce que sur une run d'un facteur, ou avant ça, tu avais... du courrier à livrer pour au moins 4 heures de temps dans ton secteur, à cause du fait qu'aujourd'hui, on va peut-être avoir 2 circulaires et 1 facture à avoir. Tant qu'à faire des liens, si le site transactionnel ici fonctionne, il va falloir les livrer, ces produits-là aussi. Oui. Est-ce qu'il y aura pas quelque chose à faire exact. Dans tout ça? D'ailleurs, ça, c'est une des actions qui a été menée par Post-Canada d'essayer de prendre le service de livraison de petits colis ou de documents. C'est un virage qui a été pris au niveau de Post-Canada. Il faut, c'est ça, c'est sûr. Fait. Maintenant, là, les habitudes ne sont pas toujours là. Et puis, de dire, ça coûte temps, là, aussi. Oui, mais... De dire, tiens, livrer une lettre et te la faire livrer par un facteur, le prix est un peu différent. Oui, un Post-Canada, on fait des profits cette année. Hey, là-dessus, Jules, merci, c'est déjà terminé. Hein? Ah oui, on parle, nous autres, c'est le fun, là. C'est amusant, c'est comme la récréation, on discute puis on ferait ça pendant des heures. Merci beaucoup d'être venu encore cette semaine. Merci à vous d'avoir été là, c'est déjà terminé. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau « Qu'en pensez-vous? » Puis en même temps, vous pouvez penser, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous des opinions? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous, là. Vous pouvez se confronter, vous pouvez même venir ici en studio si vous avez le goût. Jase avec nous autres, ça me ferait plaisir d'accueillir, peu importe. Là. Écrivez-nous, tvldm9@viotron.ca ou appelez-nous 276-9259 ou sur Facebook, allez nous suivre, vous allez pouvoir suivre toutes nos émissions parce qu'on ne fait pas juste celle-là, on en fait plein d'autres. Donc, merci d'avoir été là, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.
pour que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle! Encore, encore! Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Aujourd'hui, ça ne tente pas de vous parler de cancer et d'autres maladies que la cigarette peut vous causer. À la place, on va vous donner une idée de ce que ça peut laisser dans votre corps. La pompe est neuve, les tuyaux et les sacs aussi. Il n'y a pas de poussière, pas de saleté, pas de bébite. Yark. Digger. C'est pas le résultat d'un paquet, là. C'est après une seule cigarette. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Tellement mieux à faire que de consommer. Trouve ta propre intensité.